Et bonjour, internotatrices et internotateurs. Ici Gaiden pour les jeux du Cygne qui rejoint dans ce combat par Éternel. Coucou tout le monde. Enfin, quand il voudra bien cliquer sur le petit bouton. Bah, j'attendais que t'aies lancé. Ben, je te l'ai lancé. De quoi? Non, pas que tu aies lancé l'enregistrement. Ah! Sinon, il serait retrouvé directement en écran de chargement, sans forcément savoir de quelle bataille on parlait. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ben, on attaque Ekaterina et son Alina et on va les pourrir parce qu'il n'y a pas de raison. C'est nous qu'on les attaque ou c'est eux? C'est Je nous gère qu'on que les ça. attaque. Là, c'est nous qui les D'accord. attaque. Enfin, c'est moi qui les attaque. Avec une fière armée. Il était beau, il était blond, il sentait bon le sable chaud. Tchit Est-ce qu'il y avait une blonde, sérieux? À mon avis, il s'est tué à la naissance, lui. Le pauvre Pétiscave. En attendant, il ne faut pas qu'il se fasse choper avant l'arrivée des renforts, parce que sinon, il va pas durer longtemps. Et un petit bois. On va le planquer dans la forêt. Hein. Je suis pas là, me cherchez pas. L'avantage, c'est qu'il n'a pas d'unité rapide. Il n'y a que Katarina qui est sur son nounours. Bah, et le reste, c'est des nains. Et le reste, c'est des nains, mais ils sont en renfort, donc de toute façon, ils arriveront en retard. Allons-y, allons-y. Ah non, en plus, j'ai le renfort de la ville. Alors, bon, c'est tranquille. Bon, ceci dit, je vais quand même me planquer. Bon, je te file des troupes en pleine forme. Ouais, bon. Ne me remercie pas. J'ai l'habitude, hein. Oh, C'est même que tu m'as filé. absolument. Sauf que t'as pas les autres. Hein. C'est qu'elles sont même encore moins en forme que. C'est ça. Bah, vu qu'elle a pas levé les sièges, cette C'est ça. menace là. Cette menace. Que c'est encore du cheat d'IA. C'est clair. Ils arrivent dans combien de temps, mes renforts? 1 minute 54. Et les siens. Mais ils sont à l'autre bout de la paire. 1 minute 34. Ils arrivent même avant. Sauf que c'est moi qui attaque. Donc, ouais, c'est moi qui attaque. Hop. Bon, de toute façon, on va pas faire Oui, mais ça, grand-chose. ouais, c'est toi qui attaques, mais quand tu vas avoir tes canons qui vont arriver, t'inquiète pas que c'est lui qui va venir. Est-ce que j'ai des canons? J'ai un canon, oui. T'as deux canons en malfoudre, il me semble. Un seul, là, dans celle-là. Un seul? Ce sera suffisant pour le faire venir. Hop. Tu vois, je vais faire un petit truc comme ça, histoire de commencer à l'affaiblir. S'il bouge pas, il va souffrir. Oh bah il bouge pas. Ah merde, j'ai mal placé. J'ai mal placé. Ah c'est magique. C'est magique. Ça va les tuer. Je lui tue deux unités. Juste avec le sort. C'est bien. Voilà mes renforts. Ok, tout le monde est T'as un là. sort qui tire aussi loin, c'est quoi d'ailleurs? À capacité armée? C'est les capacités armées. D'accord. Est-ce que j'ai d'autres trucs à te donner? Ouais, j'ai du rapide. Faudrait juste pas qu'il fuit en fait avant que les renforts Non, arrivent. les renforts sont là. Tiens. D'accord. C'est pas Ah! exactement. Il jouait! Mais il aime bien les joujoux. C'est pas Ah! exactement. J'ai une abomination! Quel couille! J'étais sûr qu'il allait dire Il aime bien les abominations. ça. Pas encore joué. Il en faut pour Ça. être. Oh, elle est pas fufu, elle. Alors, toi là, tac, tac, vous. Ensuite, Ah, ils sont en marche forcée. oui, ils étaient en marche forcée, donc tiens, ah bah oui, mais sauf que j'ai un chef de meute, mais qui est pas encore Qui est à pied. sur mon tueur. Alors, en même temps, l'abomination de Malphos, c'est 35 de vitesse. Hein, donc, Ah la vache! Ah oui, c'est lent. Ouais, heureusement que c'est lent. Il manquerait plus que ça. On s'en fout de Non, non, celui-là. en plus de ça, ça avance à 120. C'est déjà complètement pété comme créate. Hop, hop.
et mon artillerie. C'est parti. Tiens, c'est marrant, son buff de morale s'est pas déclenché. Et non, parce que... J'ai pas eu le temps. Ils ont direct mouru, en fait. C'est curieux. Ouais, vas-y, dépense toute ta magie sur moi. Sur mes... Ah, c'est parce qu'en fait, il est pas passé... Ah ouais, si, pourtant, Wavering or Aware. Je sais pas, ouais. Mais si, pourtant, il met Use 0, donc il a dû être claqué, mais... Je sais pas, hop. C'est bizarre. Alors, pause... Je vois pas les nains, c'est bizarre. Ah, aussi, ici, ils sont tout petits, pour ça, ils sont cachés dans... Ils étaient cachés. Ils sont cachés dans l'herbe. Hop, allez, on se positionne correctement, et ensuite, on bouge. Hop, là. Tac. Je vais te prendre une autre. Ah, ça y est, il avance. Alors, s'il avance, on met en pause. Et on se réinstalle. Oh, comme ça. Non, pas comme ça. Mais là, ça va être n'importe quoi, si. Non, il est gardé. Tac, allez. Attention, t'as un ours qui arrive. Je lui envoie l'abomination. Si on se mettait en foi, hein, ce serait mieux. Le problème, c'est qu'il va plus vite que moi. Ça, c'est... Ouais, c'est vraiment lent l'abomination. Mais en fait, il vaudrait mieux que je la garde moi. Oui, vas-y, continue d'utiliser toute ta belle magie sur mes invocations. T'as vu combien est-ce qu'il avait ? Non. J'ai pas fait gaffe. Non, le truc, c'est que je la rattraperai pas, Catherine. Là. Qui balance des sorts dessus, de toute façon ça régène. Donc... Hop, allez, prenez-vous du dégât. Ah d'accord, en plus de ça il lui a collé un malus de vitesse, l'enfoiré. Comment ça? Bah il lui a lancé un sort, le sort de glace là, qui réduit la vitesse de 30%. Déjà qu'elle allait pas vite. La pauvre. Ah c'est beaucoup mieux maintenant que le sort est terminé. Tout de suite tu vois la différence. Hop. Sur qui tire-toi. Oui, encore de la magie. Boum. Grit et rune pour rien, coco. Alors par contre, faut juste que je fasse gaffe à son lance-flamme. T'avances pas trop, coco. Non mais je me mets sur le côté. Ouais mais j'ai l'impression qu'il... Non mais toutes mes troupes sont indétectées là pour l'instant. Elles sont fufu. Ah d'accord. Même l'abomination. Même l'abomination parce que dans la forêt elle est fufu. Non. Bah il semblerait. En tout cas j'ai le petit œil qui met qu'elle y est cachée. Ça devrait pas être autorisé. Ah ça. Elle est plus cachée. Mais c'est bizarre en plus qu'elle a pas le trait d'être cachée en forêt. Mais... Allez le canon sur elle la est recachée. Sur la je l'arrête là tant qu'elle est cachée. Tant qu'elle est cachée, pardon. Elle a faute pointe, ton invoque là. Non, elle a fui. Avec autant de PV ? Ah oui, d'accord. C'était à peu près instantané. Tirer sur ces dracs de fer ou pas là? Ou t'es trop loin? Je vais peut-être commencer à pouvoir. Presque. Ah, je suis plus fufu. C'est pas grave, il continue à avancer vers toi donc. Même sur de l'infanterie et les dracs à torpille à troll, ça fait mal. Drac de fer. Et bon, je vais apporter.
Ah non, mais il se recule à ce moment-là. Il exagère. Tiens, il me tire dessus. Ah oui, le drac de fer est en train de reculer. Bon. Peut-être éviter d'envoyer l'abomination contre les tueurs. Ça, en même temps, c'est que... Ça a beau être une abomination. Attends, on a dit qu'on... Elle est encore morte, Catherine? Bah non. Tu vois, elle est résistante, hein, mes mères. Je vois ça. Je vais envoyer Mélancier sur 4. Toi, tu vas aller là. De toute façon, ce que tu m'as filé là, des premières unités que tu m'as filé, c'est la garnison, on est d'accord? Pas donc, du tout. Oui, les premières unités. Oui, les deux coureurs et la goule, oui, c'est la garnison. Oui, tout à fait. Donc ça, si ça casse, c'est pas grave. Tout à fait. Et ben, ils vont aller tanker les dracs de fer. Ouh, ouh, ouh. Ah oui, ils aiment pas du tout ton invoque là, les dracs de fer. Il y a eu un tir, ils ont fondu. C'est bon, j'ai envoyé une autre invoque sur. Parfait. Moi, je vais bloquer les torpilles à troll. Nickel. C'est bon. Ouh, la charge. Non, pas ce qui s'est passé. Attends, les ordres, la portée, c'est une tuerie, sérieux. Ça devrait même pas être autorisé. Ah, du coup, il recule. Ouh, comment il s'est pris entre marteau et enclume, quoi. Bon, je vais manger tout le reste, tant pis. Il fait froid. Sauf ces Slayers, bah c'est nickel. La seule unité qui m'emmerdait c'était ces Slayers, il les a envoyés vers toi. Vu que c'est les plus rapides. Hop. Ah non, il lui en reste un. C'est juste qu'ils sont nommés. Ouais, le problème c'est que moi j'ai que de l'anti-large là. Oui, bon écoute, hein. Pourquoi tu fais rien toi? Qu'est-ce qu'il a de spécial ce... Ah, il est berserk. On le rat d'élite. Bon, la mère Catherine, c'est bon. Elle est en train de fuir. Hop. Le truc, c'est qu'ils vont pas aimer le poison, à mon avis, les Slayers. Et ils vont pas aimer le... Oh, ils sont bien regroupés. Dans la zone de capacité d'armée, là. Oh, c'est bon, ça. Ils se prennent... Que... Tous le dégât, quoi. Ça me va. Non, 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 non. On va peut-être arrêter les tirs par contre. C'est ce que c'est. Oui. C'était ça mon nom. D'accord. Bon, ils c'est font bon. Mal quand même les Slayers. Hein. La mère Catherine elle fuit. Comme prévu. Allez, dépêchez-vous de les tuer là. Ils sont où? Je vais retirer les rats d'élite. Allez, il en reste combien? 500? Ouais, c'est bon, ils sont en train de fondre. Avec le poison, ça fait quand même super mal. Donc. Et tout le reste est mort quasiment. Donc. Il reste son ordre. 228. Ah, et le poison contre les tueurs, par contre, c'est redoutable. Le thème. Il y en a plus. Et moi j'ai 6 tueurs encore. Ils sont un peu englués. C'est beau. C'est beau, mais ça durera pas très longtemps. Il y a un peu trop de monde sur eux. Ah yeah. Il vient de faire pop son invoque, le salaud. Qui ça? Ah. Il a fait pop une invoque de guerrier éthéré, indémoralisable, machin, mes fesses là. Bon, on voit les miens en plus. Ça, je t'envoie. Hop, je mets en x4. Bah, tu peux, de toute façon, je pourrais pas faire grand chose de plus que ce que je fais là. Donc... Arrête avec le gamin. Oh putain, je lui ai dit d'arrêter, bordel. Bon, pas. Hein. Son boss, je lui fais rien.
Il a 135 d'armure, 80 de défense de mêlée. Ouais, c'est. Ah, ça, il lâche au moral. Bah, le truc, c'est qu'il prend quand même le dégât du poison. Il peut avoir toute la défense qu'il veut à partir du moment où il est touché par le poison. Voilà, hop. Oui. Donc, ça t'est fait. C'était vraiment très très difficile. Tes bêtes ont pris un peu quand même. Ouais, bah écoute. Ah, elles sont toutes mid-life. Bah, elles vont régénérer au prochain tour, c'est pas très grave. De toute façon, c'était une armée qui venait en défense. Elle venait pour soutenir. C'est juste un peu con que j'ai pas pu terminer ses recrutements, mais c'était ça où je perdais Gislev. Bon. À choisir. Ah, il reste 8, 8 nains. Ça me va. 8 nains, 14 qui se lévitent. Et encore, c'est parce que t'as pas autorisé la poursuite, parce que je l'ai fini, c'est les 8. Oui, non. Moi aussi, enfin, j'avais deux unités de chien-loup, de rat-loup. Je pense qu'en effet, il n'aurait pas trop eu ses chances. Dix unités dans l'armée. Oui. Bah, le truc c'est que c'était que des rats à loups, donc c'est que des rats ogres, donc Oui, c'est ça. 960 de c'est des trésorerie modèles de rats ogres qui sont et les énormes. deux armées 110 bombes. Ah oui, non, oui, donc on était pas pendant le tour adverse là, on était C'est pendant le ça, mien. on était. En fait, c'était ma dernière action de tour. Toi, normalement, t'avais fini. Moi j'avais plus grand chose à faire, oui c'est ça, je suis en régène ici. Lui, du coup, je vais le spawn, j'en ai plus Ah oui besoin. c'est ça, je venais de prendre la province de Karak. Hop. Karak au pic. Je vais prendre Tac. celle-là pour la refiler à Morse. Non. Ça améliorera nos relations Ce et qui est ça bien, fera c'est un que peu plus ça, c'est une d'unes. zone Et après, je vais verte. remonter toutes mes armées pour casser du nain. Quelle violence. Ouais, peut-être pouvoir commencer à faire des trucs sympas là. Je Je suis dans un pressé de voir mon armée déterrée au combat. Alors du coup. 4 Morgul, 4 X-Wraith, Non, 2 Carnwraith, 1 Vargulf parce que pour péter les murs. Et pour péter les portes, parce que c'est quand même ultra efficace. Et encore, dans 4 tours, tous ceux-là, ils auront une barrière en plus. Ils auront 500 points de barrière en plus. Du coup, avec ce que j'ai là, est-ce que je peux encore construire des trucs qui servent pas à grand-chose? Ouais. Ça sert effectivement pas à grand-chose quand même tout ça. Mais bon. J'ai des sous à perdre. Ah. Enfin, tu me diras. Est-ce que j'ai vraiment des sous à perdre? Poste avancé disponible. Ah oui, maintenant je peux faire un poste avancé pour le clan Morse. Drico, c'est où ça? Drico machin. Là. Ouais, bon, écoute. Allez, go. Go, le poste avancé. Normalement, j'avais tout terminé le reste. Je fais quand même un petit tour de diplo. Mais je pense pas que ça ait changé grand-chose, ce combat en plus. Allez, fin de tour. Pardon. Hop. Non, toi tu bouges pas et fin de tour aussi. Grande orthodoxie et la cour de Givre, ils ont plus d'armée. Bah de toute façon j'ai un peu l'impression qu'ils seront écrasés entre
pour que l'Empire soit aussi haut, c'est qu'ils étaient déjà pas très très en forme. Non, je pense que c'est moi qui les ai défoncés. Hein. Donc, oui, mais l'Empire est super haut, donc... C'est surtout qu'ils n'ont pas réussi à se développer au nord, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à s'étendre vers le bas. Mmh. Arkham le Noir qui me propose une alliance défensive. Normalement, ils ne s'étendent pas vers le sud qui se lève. Ils s'étendent vers le sud si jamais ils se chopent Azag ou ce genre de choses, mais normalement... Ouais, je T'as aucun intérêt à t'allier avec Nagash. J'ai pas grand intérêt à m'allier avec Nagash. Si, pour recruter des unités droit des tombes, mais... Ouais. Bah, le truc, c'est que le seul contre lequel il est pas en guerre, c'est... Korn, et j'aimerais autant qu'il le soit pas, en fait. Ouais, non, ses relations sont pas terribles et elles se détériorent, donc... Mm. J'ai pas envie de me retrouver en guerre contre Korn. Mon avis, le problème, c'est que si je me retrouve en guerre contre Korn, je vais me retrouver en guerre contre Morse. Donc, Pourquoi ? Parce qu'ils sont alliés. Ah oui ? Ils sont alliés défensivement. Enfin, sauf si c'est Korn qui déclare la guerre. Mais... Il aurait déjà été en guerre contre Korn, j'aurais pris. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Mais non ! Je m'en fous de la guerre contre... Déjà, occupe-toi de terminer la guerre que tu devrais avoir terminée depuis une éternité. Et tu te refais attaquer par les défenseurs du grand plan ? Ah oui, mais celui-là, ça me surprend pas. Je vais pas la jouer. Très stratégique. C'est quoi, c'est son armée de Saurus qui t'a... Non, c'est une garnison que j'avais assiégée. Ah, d'accord. Mais avec une armée pas très forte. Ah, j'ai reçu une peste. Putain, c'est chier le clan Morse, là. Good, Krakadrak détruit. Bon. Krakadrak. Bah, c'est les nains au nord de toi. Donc il va falloir que j'aille le choper. Ah bah, de toute façon, il fallait que t'ailles le choper. Non mais... C'est juste qu'au lieu de le choper au nain, tu vas le choper au chaos. De toute façon, t'es déjà en guerre avec eux. C'est qui ? C'est la Légion du Chaos ? C'est... Non, c'est... Oui, c'est ça, c'est l'osseau de l'Apocalypse. Donc, ah, si, c'est eux, de c'est eux qui t'ont déclaré la guerre. Effectivement. Donc, oui, t'es déjà en guerre contre eux. Bon, on recommence. Non, c'est qu'il y a une armée de Légion du Chaos, en fait, qui se balade. Bon, et cette fois-ci, ça passe sans perte. Voilà. On occupe. Et toi, tu remontes. Toi, normalement, ton armée, elle est full. Hop. Bien. Et donc, tu vas monter aussi. Allez. Là en fait, il y a un truc que je vais faire. Je vais pas la prendre, la région au sud là. Oryakova, Zavstrava et Vitevo. Je vais raser. Par exemple, oui. Bah, du coup, c'est quoi ? C'est l'Empire qui va prendre ? Ouais, mais en fait, ça me permet de pas être immédiatement voisin avec l'Empire. Pas être immédiatement au contact, ouais. T'es pas encore en guerre contre eux ? Non, justement. Ou alors, voir moins 505, allant vers moins 570, ça devrait pas tarder. C'est pas faux. Mon avis, c'est pareil, c'est qu'une question de tour. C'est pas faux. Mais peut-être justement le fait qu'on ne soit pas voisins... Je sais pas, honnêtement, avec l'IA... Grande force 2, 27 colonies. Il est vraiment fort, quoi. Et l'ordre doré, rang 4. C'est un vrai empire de fin de partie, allié avec un ordre doré plutôt costaud, donc... Rang 4 et des 18 colonies, quoi. Oh la vache. Je suis passé rang 6, je progresse. Ou alors sinon... Je garde là, et puis je garde Ekaterina en buffer. Je vais peut-être faire ça. Bah, le truc, c'est qu'ils sont pas en guerre avec Catherine.
Non, mais... Donc le truc, c'est qu'ils vont juste passer au travers et venir te voir toi, en fait. Oui, mais tant qu'il m'a pas déclaré la guerre... Oui. Là, je vais piller, ça va me permettre de faire ma quéquette. Oui, non, c'est j'ai dit que je régène et après je lui file. D'ailleurs, hop. Alors... Non, s'il faut pas que je... Si, parce que je pense que ça me rapportera pas 1200 PO de plus. Là, je suis en J'ai marche perdu une troupe. forcée. Je sais pas The quoi fuck, faire j'ai avec. perdu un point violet. Je sais pas quoi faire avec Trot. À quel moment? J'ai dû perdre mon Bargulf. Pas grave. Le Raise Dead est là pour ça. Tu perds ton Bargulf, tu recrutes ton Bargulf. C'est toute idée. Bien. Bon, J'ai plus pas de sous. tarder. Pas tarder, allez s'amuser moi aussi. La même question. Oh merde, il est en train de recruter. Ceci étant, toi je pense que t'es pas à portée. T'es pas à portée de renfort de tes copains. C'est une erreur. Ah putain, c'est chiant d'aller se battre dans des régions où il n'y a pas de corruption vampirique. La vie est vraiment trop mal faite. Qui est vraiment trop injuste. Hop. Boum. Trois armées contre une garnison. Qu'est-ce qu'il gagne? Un petit peu en voie de robot quand même. Hein. Non, pas du tout. Je vois vraiment pas ce qui te fait dire ça. Mes oreilles? Peut-être. Et le grand canal est à Wam. Hop. Hop. On va commencer par le bâtiment de croissance. Run, fools, fools. Allez, plus que deux pour le grand plan. Au passage, je vais manger de l'elfe sylvain. On n'a pas encore fait ça. Non, en effet. Ah, il est temps de déclarer la guerre. Une de plus, une de moins. Une de plus, une de moins. T'es en alliance défensive avec les esclaves de Zar. Bien. Eh bien. Ouais, je t'appelle ou pas? Ah non, De quoi? je vais pas t'appeler contre Tu déclares la guerre Grengor. à qui? Grengor. Je vais pas Bah, t'appeler si t'as pas parce. besoin, c'est pas indispensable parce que le truc c'est que j'ai quand même des villes juste à côté qui sont pas défendues. Donc, bon, en même temps, je pense que vu dans l'état dans lequel il est, assez peu de chances que si tu le harcèles, il ait le temps de venir s'en prendre à moi. Mais, il m'ira au pire, j'ai de la Non, garnison. non, mais c'est. C'est comme tu veux. Non, non, c'était. J'avais pas envie que Morse ne soit pas content à cause de ça. Ils s'entendent comment avec Morse? Bah, ils s'entendaient pas. C'était pas ouf, mais c'était pas non C'est à plus. 0 en amélioration jusqu'à moins 70. Hein. Ouais, bah écoute. J'ai pas appelé. J'ai Enfin, pas appelé. Morse désapprouve Gamegore. Hop. Putain la vache. Oh là là. Mais comment j'ai pris cher? Sachant que j'avais quand même une armée bien fat. Pied occupé. Oui. Morse vis-à-vis Voilà. de Gringor. Zéro en allant vers moins 118. Écoute, de toute façon, je vais pas appeler. On ne refera pas l'histoire.
Ah, mais c'était pas pour m'appeler moi, c'est parce que t'appelais aussi Morse avec. Oui, c'est D'accord. ça, c'est que j'appelais les Et deux. t'avais peur que Morse te lâche Voilà. et mette fin à l'alliance, oui. Ce qui était pas fou du coup. The 13. Yes. Hop là. Hop. Tu peux toujours y recruter l'intéressant. Et level up. Level up. Alors, t'as pris ça. All the time when in a siege. When in a siege. C'est chier ça. C'est bon pour aller chercher le laboratoire. Hein. Je suis pour cent taux de recherche. Toi, trophée d'assassin. Ah, un nouveau sortilège pour l'assassin. Ici. Donne le galop encore. Alors, toi, t'as quoi ? La corruption est pas folle, du coup, le race dead coûte la peau des fesses. Quoi. Toi, tu vas prendre de l'infiltré et. T'as du guerrier des clans. Oh, ah non. Conduire Camille d'abord. Tac. Hop, rapide. Attaque dévastatrice. Ici. Je ne collecte pas les revenus, tout va bien. Putain, encore des points de compétence. C'est pas possible. Ah mais si, j'en avais. Espérant embuscade. Puissance des tirs plus 10% pour les coureurs nocturnes et coureurs d'égout. Tant bien, j'en ai. Et rendons des plus. Hop. Ok, qu'est-ce qu'il me reste à déplacer? Toi, t'es en pillage. Ok. Toi. Voir les scouts, ce que fait l'adversaire. Hop, hop, hop. Trotsky est en garnison. Alors, qu'est-ce que je peux construire? J'ai vu des bâtiments de commerce. Là, je vois. Ouais, je suis remonté en réputation haute. Moi, pas encore. Et je suis passé de renforce 4. J'étais renforce 6 au début du tour. J'ai pas recruté. Je suis passé renforce 4. Bah, c'est que les. Non, mais au début de ce tour-là, là. Ouais. J'ai pas compris. Ordre dispo. Ah si, parce que j'ai pris une ville. Eh ben oui. Ah, je me complète deux villes, deux régions d'un coup là. C'est pas mal. Commerce avec la Sylvanie. Hop, un peu de sous en plus. Je sais pas combien de temps ils vont tenir, mais. Ah, il leur reste deux settlements, ça va. Ouais, je suis déjà en commerce avec eux, moi. Non mais il y a bien seulement de se débloquer. Et je suis à moins 0,2 pour commercer avec Hamler. Ça me coûterait combien? 486, allez. Moins 0,2 ça va. Tu me dis quand t'as fini que je fasse... Bon, j'ai à peu près fini parce que je pense pas que... Mon tour des... Je suis à moins 110 pour confédérer Kemler et moins 66 pour confédérer Sylvanie. Ah, moins 66, il perd une armée, c'est bon. C'est peut-être faisable, on verra. Faut que je surveille à tous les tours. Ah bah je suis à 0 en thune. Pas mal. C'est intéressant.
Bah, en fait, ce qui m'a coûté pour faire le pacte de commerce avec Kemler, il m'a demandé exactement toute la thune qui me restait. Je sais pas si c'était fait exprès. J'ai fini, hein, du coup. Oui. Et tiens, il vient de me renvoyer ma caméra Oui, bah sur c'est les elfes normal, sylvains. c'est que je suis sûr. Non, mais sur les elfes sylvains. Je sais pas pourquoi. C'est ça, ça va être un gros combat, les elfes sylvains. Ouais, j'ai trois armées quand même. Enfin, deux armées et demie. Allez, fin de tour. Et... Ouais, il a une garnison de forêt, une armée full et une deuxième armée en création. Ouais, non, bah, écoute. Ouais, je... bah, c'est encore ça, la chance, il est que niveau 3 son arbre. C'est ça, c'est ce que j'ai vu. Oui, bon, de toute façon, j'ai fini aussi, moi. Avec zéro thune, de toute façon, on va pas faire grand chose de plus. Alors, est-ce que je me fais attaquer pendant le tour ou pas? Avec plein de nains. Il y a plein de nains qui viennent m'attaquer. Ah, on a découvert Nagarond? Eh ouais, semblerait. Ouf, qui a un rapport de force ridicule comparé à d'habitude. Ah oui, mais il a. Bah oui, mais il s'est mangé Grand Brindal sur la Il gueule. a Hein. Grand Brindal. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? L'invasion de Grand Brindal est assez sévère, apparemment. Je Nous sais pas rejoignons la pourquoi. guerre contre les mains sanglantes. Pour ce qu'il en reste de la main sanglante, demande, tu risques pas grand-chose. Il Hein. risque pas grand-chose. Déjà, c'est super loin. Non, c'est ça, c'est. Ouais, bah écoute notre PO. ça va améliorer tes relations avec lui et enjoy. Hein. Ouais, tu peux me donner 1235 et tu veux me donner que 1000. Non mais. Ponctionnons les petits et les faibles, c'est tellement plus sympa. C'est pas encore pour sourcil. Caracat. Ah! Allez, il attaque! Bon, bah, on va la faire, hein. Ah. 3 demi-armées contre 2 complètes. Bon, et tu mettras fin à ces armées d'invasion comme ça. Alors, il y a son. Il y a Thorgrim dedans. Attends bien. Il y a quoi? Il y a. Pas une seule unité. Si, il y a. Deux unités d'artillerie. Bolt thrower? Ah oui, c'est. Baliste. Il y a quand même pas grand chose. Oui, enfin, c'est du nain, quoi. Mais il y a. Un gyrocoptère. Je sais pas. Sinon je recule, mais... Ah, d'autant que là c'est mon armée principale qui arrive en renfort. C'est pas mon armée... C'est pas la bonne armée qui l'a attaqué. Non, je pense que je vais reculer. Ouais, du coup il attaque la deuxième, normal. Ah! Ça passe mieux. Non. Parce que là, le truc, c'est qu'il a. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il a reculé jusqu'où pour venir m'attaquer. Alors, il n'y a plus que deux armées, mais le problème, c'est que c'est. C'est mon armée secondaire, donc. Là, ça va être nettement moins beau. Et tu veux pas fuir là aussi? Ah non, je viens de fuir, justement. En fait, il m'a rattrapé. Ah. Donc, j'ai la garnison. J'ai ma garnison de que je viens de prendre, qui est pas terrible. Ah merde! Ouais, putain, là, avec ce que j'ai, ça passera jamais. Ah. Enfin, je sais pas, enfin, c'est mon armée de zombies quoi. J'ai 2-3 autres unités à côté, mais. Alors, si je peux aller lui péter ces 2 ans d'un siège avec mes chauves-souris et mes loups. Mais pour le reste, j'ai du zombie et 4 Grave Guard à moitié mort. Ouf. Contre du nain quoi. Et Bye. Thorgrim. C'est le problème des reculés, c'est que tu sais pas trop ce que ça va être derrière, quoi. Et voilà, Écoute, j'avais l'alternative, espéré que pour le coup. c'est qu'on relance la sauvegarde de fin de tour et. Ouais. Et que tu te fasses la vraie Oui, bataille. il s'est rien Il passé s'est rien d'autre. passé entre-temps, donc. Ouais, mais j'aime pas trop jouer les safe scum, mais C'est. Ouais. faut aussi dire que j'ai joué, j'ai perdu, et puis. Eh ben, comme tu veux. Non, tant pis. J'espère que je vais lui faire suffisamment mal pour que. Pour que. Emmerich, pour que. Machin puisse. Faire un peu de taf derrière. Pff, putain, je lui ai rien fait. Oh, c'est hallucinant. Il a perdu 191 troupes.
Bon, ceci étant, là, il est séparé chez moi et en attrition. Tiens, qu'est-ce que tu me veux, Warzag ? Me déclarer la guerre ? De toute façon, t'en fous, t'es déjà en guerre avec lui, toi. Oui. Il déclare la guerre. N'importe ton renforce 106, là. Bon, prochain tour, on va casser du nain. Vengeance. Ça a même pas beaucoup fait monter mon upkeep, mes thunes, en fait. C'est ça, le problème. C'est... Tu pètes une armée de zombies, tu fais gagner 400 de thunes. C'est la rancune contre les rancunes. Oh oui, en plus Thorgrim est en marche forcée. Oh, oh putain, il m'a réassiégé qui se lève. Oh putain, avec les nains. Oh putain, mais je vais te défoncer. Le bosquet s'est fait démonter. Et là, j'ai bien fait de prendre l'attaque éclair. Je vais lui démonter sa gueule. Putain, ici, j'ai une rébellion. Allez. Et de 1... T'évites de me casser des troupes, ce serait bien. Et mal cet enfoiré, quoi. J'ai une perte faible. Je me retrouve avec tous mes zombies qui sont mid-life, quoi. Et... Il n'y a pas beaucoup de PV là-dedans. Bon, je viens de lui tuer son armée à 4 héros. Bon, et on se fait Thorgrim aussi, qui est quand même mid-life en marche forcée. Ouais, non, je peux pas, faut pas que je le rate. Je peux pas le rater, c'est pas possible. Kill, kill. C'est un peu ça. Toi, tu te dépêches de remonter. Toi, pareil. Et on va la jouer, celle-là, par contre. Ok, bah on la jouera au prochain épisode de jeu. Okay. Hop, moi je vais avancer contre les hommes des arts. Stop. J'ai mes deux cloches qui suivent. Toi. L'enfoiré. Il a fui ? Non. Il a renforcé ? Non, il a une armée en embuscade. Putain. Non, et le pire, c'est qu'il m'aurait pas chopé, je me suis juste avancé. Pour aller sur son territoire pour faire du race dead et je me suis fait choper. Et oh putain. C'est de l'embuscade moche. J'en sais rien, c'est de l'embuscade avec une moitié d'armée, mais le truc c'est que là du coup il va avoir Thorgrim en renfort. Ah oui. Au lieu de choper tout seul. Putain. J'ai été greedy. Bon. La grédance. C'est qui est celle-même quand même. T'as sauvegardé? J'ai sauvegardé, oui. Bon, alors on arrête l'épisode et on le fait juste après. Allez, vous verrez bisous. Cette magnifique embuscade de la rage du Greedy au prochain épisode. Des bisous tout le monde.